Oh là là, putain. Eh, y a rien à faire, dès que je le vois, lui, ça me fout les poils, hein. Ouh. Ça me... Qu'il est stylé. Le stress est à son maximum. Yo tout le monde, c'est Guilherme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Jurassic World. Le dernier épisode ne s'était pas passé hyper bien. On peut pas dire, on a eu un mort quand même, on a eu Michel, on a perdu Michel. Petite minute de silence pour mon petit Michel, qui est parti au front, qui s'est fait dévorer par un ceratosaurus, on s'en rappellera, des images douloureuses et bien tristes que vous avez vécues. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour quelque chose d'un peu mieux, j'espère. On va améliorer le parc. On va implanter le Dracorex dans son nouvel enclos. On va continuer tout de suite, on va démarrer. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour et qu'il y avait eu des nouveaux dinos qui avaient été implantés. Notamment le Carno, l'Indoraptor, c'était ça son nom? Indoraptor, je sais plus. L'Allosaur. Il y en a plein, il y a plein de nouveaux dinos qui ont été implantés en fait dans le codex pour pouvoir les faire, je suis trop contente. Ça, c'est bien, il y a des mises à jour sur ce jeu, c'est bien, c'est pas genre le jeu juste qui est sorti par rapport à Jurassic World et basta, ça dégage, pas du tout. Donc là, ah oui, ça, on avait quand même des thunes. On se souvient, ah, nouveau... Ah bah je crois que c'est les nouveaux dinos, 6 nouveaux dinosaures, voilà. Donc le Sinoceratops, le Baryonyx, le Stygimoloch, Moloch, je sais pas c'est quoi, le Carno... Taurus et l'Allosaur qui a été rajouté, voilà. Les plus braves peuvent également accomplir la mission hybride Indoraptor, un nouveau projet très risqué. Voilà, donc ça, je pense clairement que c'est un truc hyper, hyper, hyper risqué. Parce que l'autre coup, c'est vrai que j'ai pas prêté attention, hein, et en fait, j'ai gueulé parce que j'ai dit « Ouais, il est pas passé par la bonne porte, il est pas passé par là !» Et en fait, il aurait tout simplement fallu que je fasse un labo de la création Hammond ici, et que je fasse l'incubation ici, il serait sorti par la porte de là, en fait. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je voyais les dinos arriver par cette porte. Et c'est en montant la vidéo que je me suis dit « Mais t'es trop con, c'est pas comme ça, c'est... » Il aurait fallu que je pense créer un labo de la création Hammond ici, hein, pour faire sortir le dino, tout simplement. Et je l'ai pas fait. Donc, est-ce que tout se passe bien dans le parc? On a des visiteurs, il y a un peu de monde. On va améliorer quand même un petit peu. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc, du coup, le Dracorex, c'est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire éclore. Tout simplement, on va le transférer, ce petit dino. Il est pas méchant. Il fait mal à personne, techniquement. C'est un petit... Lui, je me méfie quand même. Hein. Lui, je le fixe de temps en temps. Il est cool, lui. Normalement, il fera pas de mal, rien du tout. Il va arriver tranquillou. Regardez-moi cette mignonnerie. Il est trop mignon. On en a pas de comme ça dans Ark. Bien dommage. Il est trop beau. J'aime trop. Ça se trouve, en vrai, ils n'avaient pas du tout décrit comme ça. Hein. Gloire au roi des dragons. Voici... Dracorex. Il est beau. Intimidant comme nom, pas vrai? Et pourtant, ce n'est qu'un herbivore. Mais ne lui dites pas que j'ai dit ça, je ne voudrais pas le vexer. Trop beau, franchement. Oh, il y a la petite chèvre là-bas. Bon, c'est bon, il est tranquille, on va le laisser tranquille. D'ailleurs, la mangeoire, on en est où? Ah, il va falloir aller la re-remplir. Et là, 7 sur 10. Ok. Par contre... Bon, j'imagine qu'il a bouffé la chèvre déjà. C'est déjà fait. J'imagine que c'est déjà fait. On va aller checker. Bon, il est bien partout. Sinon, l'eau, la nourriture, c'est bon. Arrête ton... Oh non. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. La petite pépette. Oh là là. Je suis pas pour ce truc-là. Hein. Ça fait chier quand même. Hein. Ah, le Dracorex au niveau du confort, il est pas ouf. Ouf. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Dracorex? Son confort, il est pas bien. L'interaction. C'est du génie. Alors, attends. L'interaction. Comment ça, interaction? Il faut plus d'interaction, plus de visite. Ça veut dire interaction. Qu'est-ce qu'ils entendent par interaction? Qu'est-ce que c'est, interaction? Plus de... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon pépère? Il aime les territoires composés de prairies ouvertes, de taille respectable et d'une surface boisée, d'une superficie un peu moindre. Ils vivent en groupe de taille moyenne pour se défendre des prédateurs. Ah, il lui en faut peut-être un deuxième comme lui. Vous savez quoi? On va mettre un deuxième. Hop, allez hop. Coûtez une blinde, ces conneries. On va lui en mettre un autre. Peut-être qu'il se sentira mieux. Il y aura plus d'interaction du coup. Je sais pas, on va voir, mais... Donc là, ça, on l'a construit, la petite boutique de souvenirs. C'est bon, tout va bien.
Ça marche ? Ok, nickel. Ça fonctionne, les gens sont contents. On va partir au centre des expéditions aussi. Oh non, l'un des bébés dinosaures du labo de la création humaine était trop fragile pour survivre. Oh non ! Les incubations de dinosaures s'appuyant sur un génome inachevé peuvent échouer. Reportez-vous à la viabilité pour connaître les chances de succès. L'un de vos œufs n'a pas incubé. Mais je n'ai jamais dit que ressusciter les dinosaures serait facile. Mais les dinosaures des jeunes augmentent le coût d'incubation. Les dinosaures ainsi creep. Ok. Merde. Bon bah c'était Michel décidément. Michel, on peut plus rien faire. Hein. On va en mettre un autre comme lui. On va voir, ça va peut-être fonctionner. Hein. Je pense que si on a un autre comme lui, il devrait être content. Il va pas faire la gueule techniquement. Bon, je fais un clic droit. Ah mais genre si je clique dessus, j'ai encore la petite cinématique et tout. Hein. Ah j'ai la petite cinématique quand même. Et là... Putain j'ai un logo avec un mort. Qui est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Mais qu'est-ce qu'il a eu? Alors là, tu m'expliques? Il s'est noyé? Qu'est-ce qu'il a eu? Oh, je suis dégoûtée! Bon, on va en incuber un autre. Hein. On va en incuber un Dracorex encore. Ah, oh, je suis deg. On va transférer. Je pense que là, il va être content. Là, il y aura plus de monde, il va être content. À moins que les Montosaurus. C'est les Montosaurus, je sais plus, je crois. Il est mort peut-être parce qu'il était, il y avait trop de monde. Non, mais non, même pas. Il y avait de la nourriture, il y avait tout ce qu'il fallait. On va essayer d'améliorer un petit peu les mangeoires et tout pour, je sais pas, pour que ça soit mieux pour eux parce que, je sais pas. Et lui, on va le transférer aussi. Voilà. Chacun son tour. Ah, j'avais pas entendu que ça faisait... Le parc est à queue de queue. Est à queue d'accueillir, oui. Wouhou ! Interaction, c'est ça. Il est content parce que là, il peut il est avec ses potes, quoi. Il est plus tout seul. Il est content. Bon, alors par contre, ça, la base de données, on va laisser. On va pas la toucher pour le moment. Les premiers fossiles d'Edmontosaurus ont été découverts au Canada, dans la formation d'Edmonton. D'où son nom. Le tyrannosaure en raffole. Et ça se comprend. Ouais, bah j'ai pas envie de lui filer. Vous avez assuré sur ce contrat. Je suis bien content de pouvoir compter sur vous. Récompense de réputation savane, gêne d'apparence. La vache, votre réputation a crevé le plafond. La division divertissement a donc décidé de vous donner une récompense pour votre boulot sur Isla Matanceros. On va incuber un dino, en l'occurrence le Ceratosaurus qui est à 82%. Pardon. On va modifier son génome. J'aime pas ça. Donc là il a un gène nul. J'ai envie de tenter de lui modifier le génome. C'est quoi ça? Digestion efficace 1.0. Et ça, en fait ça baisse automatiquement du coup la viabilité. On va totalement le changer. J'ai envie d'essayer. Par contre là ça le baisse de ouf. Hein. C'est un gène modifié. J'ai envie d'essayer pour voir. Là par contre je sais pas ce que ça va donner ça. Quoi? Qui c'est qui est mort? Il est mort de quoi? Bah en fait c'est leur génome en fait je pense qui est pas... Mais non putain oh! J'ai deux morts. C'est eux qui peuvent récupérer les cadavres? Non c'est pas eux. On va chercher la cible. Non mais c'est pas possible. En fait c'est le génome. Ok. Et là on va leur rajouter une tâche. Remplir la mangeoire. Sera bientôt rempli. S'il vous plaît. Après que ça me coûte. Ok. Recherche terminée. On va aller... Non pas la Kiki. Ne te trompe pas. Par contre je suis dégoûtée pour les tricer. Ah oh, ça fait chier. On va le transférer. On va remettre un petit Michel. Parce que Michel était bien cool. Regardez comment il est aux aguets, Michel. Petit Michel. Strutonimus. Intéressant. Encore un dinosaure qui laisse supposer un lien direct avec nos oiseaux actuels. Il est prêt. On va pouvoir l'emmener. Vous êtes prêts? Parce que moi, pas du tout. C'est parti. Oh!
il a rien à voir. Il veut lui péter sa gueule à l'autre. Il va le défoncer. Putain. Ils ont dit que c'était bon qu'ils se battent de temps en temps. Ça, c'est une grosse connerie, ce que j'ai dit. Ils vont se déboîter la gueule. Un carnivore, à ce que je vois. Un ceratosaurus, cette fois. Son échine présente de petites pointes osseuses et il arbore une corne sur la mâchoire supérieure. Le genre d'animal qu'il vaut mieux ne pas croiser lors d'une promenade. Ouais. Astro, ils vont rien se faire avec l'autre, en fait. Il est où, l'autre ? Peut-être que tant qu'ils ont à boire, ils se font rien. Tant qu'ils ont à boire et à manger. Écoutez, ça a l'air d'hyper bien se passer. Entre nous, dites-moi. Est-ce que... Ah... Un contrat vient d'arriver sur mon bureau. Génétique. Compléter un génome de dinosaures à 60% ou plus. Je sais pas ce qui se passe, on a un dinosaure qui est mort. Putain. Mais non. Merde. Mort de vieillesse. Et merde. Bon bah, équipe de... Oh non! Merde! Il est mort de vieillesse. Bon bah, on va en faire un autre. Hein. De base, il a combien? 17? 26? Ouais, ça monte un petit peu sa note, quoi. Mais non, on va le mettre tel quel. On va l'incuber de base. On va voir ce que ça donne déjà de base. Ah, je suis dégoûtée que l'autre soit mort. Il est en train de transporter son corps, là. Ah bah là il est mort. J'ai eu beaucoup de pertes, dis donc, hein. Allez, c'est parti, on incube. Ok, bénéfice par minute, c'est bon, ça augmente. Yeah, regardez-moi ça. Ah, y'a l'autre qui est en train de gueuler là-bas. Yeah. Ah, Wayangosaurus. Un autre membre pas assez de la forêt. Famille des stégosauridés. On va te mettre plus de forêt, mon pépère. Je pense que là, il est content. Pas encore assez? Bah dis donc. Il t'en faut de la forêt. Bah là, c'est bon. Hein. Voilà. Là, il est bien. On va les faire incuber. Allez, on transfère. Oh là là, putain. Eh, y a rien à faire. Dès que je le vois, lui, ça me fout les poils. Hein. Ouh. Ça me... Qu'il est stylé. Le stress est à son maximum. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, île déverrouillée, Isla Muerta. Cool. Caractéristique de l'île, tempête tropicale. Ouvrez vos abris d'urgence pour protéger vos visiteurs de violentes orages. C'est tempête, pardon. Plus connue sous le nom d'Isla Muerta, une île nouvellement développée. Son nom signifie l'île de la mort. Approprié, voire ironique. Gestion des équipes de garde et de l'UC. Gérer les situations de crise dans le parc et réparer les dégâts causés. Ok, en assignant les tâches aux équipes. Nanana. Maladie dangereuse, investissez de l'argent dans la recherche et remèdes. Ok, on va rester ici pour le moment parce que moi je voulais quand même mettre l'autre. Et puis après c'est bon. Et là, hop, on va le transférer. C'est parti. Là, ils vont être trois. Alors, je sais pas comment ça se passe quand ils sont trois. Ce contrat n'avait rien de simple, mais vous l'avez terminé. Je sais pas comment ça va se passer hein, quand ils sont trois. Ça va partir à coup de claque dans le pif, je ne sais pas. Faut que je regarde s'ils s'entendent bien aussi, s'ils sont en mode... Qui c'est qui est mort? Qui c'est qui est mort? Un Dracorex. Au niveau de l'interaction, ils sont dans la limite. Hein. Trois pas plus, hein, les mecs. Hein. Ils sont vraiment en mode... je t'ai dit trois et basta. Ok, donc on va pas mettre plus. On va pas du tout mettre plus pour le moment. On va aller voir ce qui se passe sur l'île. On va aller voir de quoi est faite cette île. À quoi elle ressemble. Je trouve qu'elle est identique. Hein. De gueule, ça se trouve, elle est pareille que l'autre. C'est juste pour voir. Et puis après, les copains s'arrêtent là, du coup. Eh, ça passe à une vitesse.
vous, je vous condense au maximum. Je pense que la vidéo là doit être condensée peut-être en 20 minutes. Alors que moi, je passe 2 heures dessus, quoi. 2-3 heures dessus. Ah! Où on est sur un truc totalement désertique. Comme si les créatures préhistoriques ne suffisaient pas. Sur l'île suivante, Isla Muerta, la météo risque souvent de faire des siennes. Tempête, ouragan, ce genre de choses, quoi. De temps en temps. Oh là 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 là! Comme vous pouvez le voir, la météo sur cette île peut être un peu... capricieuse. La première chose à faire, c'est de réparer les dégâts causés par la tempête. Wow. Demandez à une équipe de garde de remettre le parc en état. Oh, et n'oubliez pas de fermer les abris d'urgence dès que le calme sera revenu. Les visiteurs n'ont pas payé leur billet pour passer leur séjour dans un sous-sol. Mais il y a tout qui est pété. La tempête a dû être rude. En général, les intempéries ont tendance à rendre les dinosaures plus agressifs. Enfin, si l'on veut bien croire que tout est lié. L'effet papillon, vous connaissez ? Moi, j'y crois. Un tout petit changement peut créer une réaction en chaîne qui, à terme, poussera les dinosaures à semer le chaos. Et les filets à papillons, ça n'arrête pas les dinosaures. Alimentation électrique requise. Donc on a quelque chose d'électrique qui a pété, là, on est d'accord. On a une zone électrique qui a pété, voilà, poste électrique qui a pété. Vous savez quoi, les amis ? Hop, on va, du coup, conduire le véhicule et... Ah ! Je suis poussé et tout. On va... Attendez, la musique. Comment on coupe la musique ? Va falloir tout réparer. Et vous savez quoi ? Ça sera pour la prochaine vidéo, parce qu'on a de quoi réparer. Et cette île d'Isla Muerte porte bien son nom puisque tout est dévasté. Regardez-moi ça. Tout est dévasté. Donc on va s'arrêter là les copains. Hop. Voilà, on a réparé la première. On va pas réparer plus pour le moment. On va s'arrêter là. On va sauvegarder la carrière du coup. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode qui était quand même un peu plus calme. On va dire que le précédent avec Michel qui avait été quand même un épisode assez traumatisant. Donc du coup les copains, en attendant, je vous fais à tous de très gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, YouTube, et j'en passe. De toute façon, cliquez sur la petite cloche de YouTube aussi pour vous abonner, c'est important. Et la bagnole, elle fait des trucs toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, ils sont en train de parler. Ok, c'est bon, tant pis pour moi. Bon allez, je vous fais de très gros bisous du coup, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.